Bienvenue à la 44e édition du Marvejolmande. Comme chaque année, le samedi à midi, il y a la présentation des athlètes à Marvejol en présence des personnalités. Je la reprends au cas où. Bravo! Voilà, elle est bonne. Ça va faire jaser, ça. Non, c'est pour les dames. Oui, mais là, il n'y a pas. L'après-midi, sur le foirail de Mende, différentes animations sont proposées aux visiteurs. Le retrait des dossards a lieu pour la première fois dans le superbe espace événement Georges Fraîche. Tous les bénévoles sont heureux de vous accueillir. En fin d'après-midi, la présentation des athlètes à Mende précède le défilé dans la ville en suivant la Peña. Avec les Éthiopiens, les Kenyans. 2h36 secondes, demain vous passez sur les. Un apéritif clôture cette belle journée. Ouais. Le dimanche de bonne heure à Marvejol, après un casse-croûte copieux, les bénévoles terminent l'installation. Mais c'est le fils, il va me rattraper. Merci. Les marcheurs et les premiers coureurs se préparent. Salut. Sécurité. Oui, voilà, c'est une belle. La décontraction est de mise. C'est pour la télé. Oui, bonjour, félicitations à tous. Merci. Ah oui, parce que il fait l'été des marchés. Oui, là c'est la vie. Oh non, c'est ce que je dis, je parle avec la lame, parce qu'il y a soirée, donc un meilleur joueur, vous êtes comme vous, ça fait. C'est parti, merci, c'est parti, bonne marche. 8h, le départ de la marche est donné. Ils sont 500.
Un accueil musical rythme l'échauffement des coureurs. Notre sympathique athlète éthiopienne Alebashev Selam Aber va-t-elle réaliser le triplé ? Départ de l'épreuve de légende, la 44e du nom. Quelques petits problèmes d'équilibre pour certains. Cette année, ils sont 2600. Parti un peu avant, les handisports. Procession. De nombreuses minutes séparent les concurrents.
sur le pont, ça bouchonne. Jean-Claude est là comme d'habitude, fermant la marche. Sorti de Marvejols, un groupe important de favoris se détache. Le numéro 7, Antoine De Wilde, terminera premier français. Voilà Marta Comou, cinquième au marathon des Jeux Olympiques de Pékin. Au premier ravitaillement, le groupe de tête s'est étiré. Le futur vainqueur Liu Tang est en train de revenir sur la tête de course.
Premier ravitaillement, Ali Bachev a pris le commandement et creuse un écart important sur ses rivales. Willy Ndowimana, le Burundais, suivi du Belge Amaury Paquet. Christian Bulteau, un des organisateurs de la descente de la laisse en Belgique, se comporte remarquablement. Voilà les Lozériens, Maxime Brajon qui terminera 47e, suivi par Daniel Calamé qui finira 39e avec toujours notre jeune Roumain. Dans l'ordre, l'Éthiopienne Ali Bachev. Puis
sa compatriote vainqueur du semi-marathon de Lille, Chaltou Negassa, suivi de Tatiana Vernigor. En quatrième position chez les dames, Djebet, cinquième, et première française, Aline Cambolive. Sixième, Massa. Septième, Marta Comou. Huitième, Petra Kaminkova. Neuvième, Petra Pastorova. Au col de Gouda, un public enthousiaste. Et c'est parti pour une descente infernale. Chez les féminines, Aline Cambolive vient de conquérir la quatrième place qu'elle conservera jusqu'à l'arrivée. Imperturbable Ali Bachev qui continue son périple en tête. Qui sera le premier amende? Rien n'est joué à 8 km de l'arrivée. Pendant ce temps-là, loin derrière, de la musique. Du public.
La première concurrente. Les deux Lozériens inséparables. Au coude à coude, Massa et Marta Comu pour la cinquième place. Le frère applaudit, Hervé. On s'hydrate énormément. Deux coureurs se détachent, Liu Tang et Terefa. Troisième, Chepkorom, Ezekiel. Quatrième, Limo, Kipkemoy, Kevin. Cinquième, Kipsiego. Sixième, Teshere Kumba. Et septième, Kipkosai. Huitième, Willy Ndowimana. Je ne
Allez, c'est tout plage commande. Merci. Fatigué. Si. Allez, c'est le début de la fin. C'est tout plat jusqu'au bout. Hello. Allez, allez. Les oies. Dès le début de la dernière descente, Liu Tang a placé une attaque déterminante. Et donc l'Éthiopienne qui avait, c'est sa troisième victoire avec
De mon jardin. Allez Maurice. Allez Philippe. Oh, il y en a pas. Il y en a qui m'a demandé du foie gras. Ah bon, c'est de la graisse.
madame. Merci. Allez, la Lozère. Allez, c'est bien. Allez, allez. Aïe, aïe. Oh, Émeric. Il y a Émeric. Merci. Allez. Merci. Merci madame. Hop là. Merci. 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 Pauline. Elle monte pas mal, Allez, croche, croche.
avez gratté. Il m'a région le monde. Merci aimé. Allez Josiane. Avec Vivienne. Allez, accroche, allez. Allez, allez. Et après, si un ballon fait pas longtemps, je suis arrivé qu'il n'y ait pas l'eau. Fais le plus dur. Allez, ah, super. C'est possible, on est trappé autour de fraises. Je sais pas, c'est pas là. Thank you.
facile, j'ai pas vu. Mais je sais pas si vous arrêtez, si vous arrêtez. Hein? Non. Très bien, impeccable. Et j'aimerais la Dauphin du comté Sylmantin qui a couru un nombre incroyable de courses. Je vous demanderai de m'en remercier les gens qui tombent en rejoignant. Okay. Tu as le temps de t'entraîner comme tu le voudras. On est arrivé ensemble, je pense que tu es un groupe de trois. Je vous demande de vous rendre avec nous un peu de voix. Et on espère passer une bonne journée après. On te reverra l'année prochaine. Sandrine Bouet. Et nous avons Romain Nangeoavi, Doc, Rogue, Kerel. Daniel Lacan, je vous rappelle que nous avons, venez nous voir madame, venez, nous avons beaucoup de choses qui sont sur ce stand, c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion d'en parler, mais on a des maquilleuses, qu'est-ce qu'on a d'autre, on a les mutuelles qui sont là, qu'est-ce qu'il y a également, qui est notre ami russe, Vinacheva qui est en train d'interviner, madame, venez là, venez les voir, puis on va accueillir le directeur des services, le maire est avec nous, comment tu t'appelles? Alors, tu es souligné, puis il y a deux. 47 ans, c'est le problème. Elle est trésorière. Alors, est-ce qu'on te reverra une troisième fois? Et tes objectifs pour la saison, toi, la championne régionale? Elle prépare les championnats du monde vétérans, mais sur quelle distance? Où? Ça a lieu où? C'est en Espagne, l'année dernière, c'était à Lyon. On te dit au revoir. On se reverra. Merci beaucoup. C'est notre assistante maternelle. Alors là, monsieur le maire, il va falloir que vous veniez avec moi. Vous allez noter votre agent, vous allez noter la notation de début d'année. Alors là, vous allez avoir 27 sur 20. Monsieur le maire, t'as donné un, c'est ça? Une petite souris. La gare, ça permet. La course à pied permet surtout de déstresser du quotidien et ça bon. Alors plein du coup. Et tu fais le président de l'FM, l'avenir du Plombert. Ah ben c'est Philippe Laurent. Mais bien sûr, mais c'est un ami, pas mon diable. Philippe, tu nous rejoins. Merci à vous, hein. Merci encore. Alors monsieur le maire, bien vous montrer sur la performance de votre directeur. Ouais, c'est cool, donc je travaille dans de bonnes conditions à la ville de Nantes, pour s'entraîner le fort et tenir le fort. C'est super, vive le sport! Vive le sport, rien que ça de vrai! Super! C'est la deuxième fois que je la fais, mais je suis moins en canne qu'il y a deux ans. Un bébé au milieu, mais ça va. D'où vous venez? C'est dur! C'est dur, hein! D'où vous venez? Sur le rond-point. Ouais, on va sur les...
Park, c'est montré dans l'originalité, mais Boston, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et évidemment, le marathon du Médoc que j'ai fait cette fois, que c'est la tête, c'est pas cool. C'est le marathon le plus long du monde parce qu'on visite des caves et quand on sort de là, puis on zigzag. Oui, mais je leur ai dit, mais elle va en l'état qu'elle a taille boire. Viens, mais je ne ferai pas d'annonce. Venez, monsieur. Voilà. Viens expliquer Tokyo. Ah, oh là là. Dis donc. On n'a jamais vu ça. C'est la vie. Je recoupe les plus dans ma vie. Moi, je travaille dans la grande boîte. Allez, bravo. Bravo les marcheurs. Merci. Allez, bravo. Bravo, super. Allez, les gars. Allez, bravo, super.
que c'est pas venu. Oui, oui, mais lui, il est pas trop fiable. Voilà, là. Venez, les filles. Et nous sommes. Ah non, c'est le Kazakh, hein. 3-4 000. L'athlète Pierrot. Oui, oui, oui. Il était bien quand même. Il est normal, hein. Le marathon, c'est toujours fini, hein. On a parlé. Tu viens me voir sur le podium dès que Léon a terminé. Hein. Raymond Chenet, qui est un joueur de longue. Willam. On est on demande. Stéphane demande Wé en mariage. 12 ans après, Jean-Louis et Marie-Jo. Ça, c'est le vrai Marjolmand. Raymond Chenet, qui est le Figaro. Beaucoup de monde et d'ambiance pour cette soirée dansante avec un repas de qualité. Thank you.
Et comme le veut la tradition, on termine cette belle journée à la fraîche, dans les rues de Mende, dans une course au poil. Rendez-vous en juillet 2017 pour la 45e édition.